สวัสดีค่ะอีสานไลฟ์สไตล์ที่นี่ที่ไหนคะลำมงคลทุ่งหลวงเราจะพามาชมมาพิพิธภัณฑ์ของสงครามโลกครั้งที่2ของฝรั่งเศสกับเยอรมนีนะจ๊ะเดี๋ยวเฮาไปชมกันเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเบิ่งพิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสงครามโลกของฝรั่งเศสกับเยอรมนีนะคะไลฟ์เข้ากันมาซื้อตัวกันนะจ๊ะBonjour. Monsieur, dame, bonjour. Pardon. On est deux et demi. Voilà, c'était où vous voulez pas. แมนสตาร์ทสถิตจำลองไหมเดี๋ยวจะพาขึ้นล่องไปเบื้องข้างล่างนะจ๊ะตอนนั้นขึ้นแม่ที่อยู่มองนี้นะจ๊ะมองเนี่ยตอนแดดไปเบื้องข้างในนะจ๊ะ
8 heures, c'est l'heure H. L'assaut est déclenché. Hommes appartenant à trois divisions américaines sont engagés dans le combat. Toutes les 15 minutes, les chalands d'assaut déversent leur contingent de combattants sur les bases. À chaque vague de débarquement, un poste de contrôle se met en relation avec le navire de commandement interallié, le Catoctin. Il coordonne toutes les opérations aériennes, maritimes et terrestres sur les trois secteurs définis pour le débarquement, Alpha, Delta et Kappa. Devant Fréjus, la résistance de la Wehrmacht oblige la 36e division d'infanterie américaine à se dérouter vers la plage du Dramon. Le pont aérien que commande le général américain Frederick a permis le largage de 10 000 hommes dans la zone La Motte-Le Muy. Avec l'aide des forces françaises de l'intérieur, les parachutistes ont rapidement neutralisé les contre-attaques allemandes. Leur mission consiste maintenant à guider les atterrissages des planeurs Orsa et Waco qui transportent les armements et les véhicules. En soirée, plus de 300 planeurs se présentent en moins d'une heure sur des terrains improvisés, ce qui provoque des accidents et bien sûr des pertes humaines. Sur des plages encombrées de mines, les équipes de démineurs libèrent des corridors pour le passage des troupes. Depuis les navires en mer, un va-et-vient ininterrompu d'embarcations déverse sur les plages les hommes, les véhicules et les matériels dans un désordre apparent que les Américains savent maîtriser. Au soir du 15 août, 95 000 hommes et 10 000 véhicules ont débarqué en Provence, libérant Saint-Tropez, Sainte-Maxime, Cogolin et Grimaud. À Fréjus et Saint-Raphaël, les soldats de la Wehrmacht résistent encore. Le lendemain, jusqu'à 25 km de la côte, l'arrière-pays varois est libéré. Les Allemands ont subi de lourdes pertes et nombreux sont faits prisonniers. À J+1, les forces alliées ont respecté leur feuille de route. L'opération Dragoon est un succès. Dans l'après-midi du 16 août, les troupes françaises entrent dans action. Les premiers contingents de l'armée du général Delattre de Tassigny foulent les plages de Cavalaire et de la Croix-Valmère. Cette armée française est composée de 260 000 hommes aguerris, les Français libres, avec des soldats de la Légion, des volontaires du Pacifique et des Antilles, les évadés de France, les conscrits d'Afrique du Nord et de Corse, et avec eux, dans l'armée d'Afrique, des appelés et des volontaires algériens, marocains, tunisiens et les tirailleurs sénégalais des troupes coloniales. Le 17 août, Hitler, qui a conscience que la partie est perdue, donne à sa 19e armée l'ordre de repli pour reconstituer une ligne de front plus au nord. Il ordonne le maintien d'unités plus combatives dans les poches de Toulon et de Marseille, zone à défendre coûte que coûte, en exigeant des soldats qu'ils résistent jusqu'à la dernière cartouche. Depuis que s'est répandue la nouvelle du débarquement en Provence, les résistants, ces combattants de l'intérieur, intensifient leurs opérations pour faciliter l'avance des forces alliées. Les résistants du Var prennent le contrôle de la préfecture à Draguignan. Les FFI guident les troupes françaises dans le massif des Morts, tandis que ceux de Toulon occupent le centre-ville. À Marseille, dès le 19 août, une grève insurrectionnelle paralyse la ville. Alors qu'il était prévu de libérer Toulon à J+20 et Marseille à J+40, le plan s'accélère. Dès le 20 août, le général Delattre de Tassigny, en accord avec le général Patch, décide de ne laisser aucun répit aux Allemands en attaquant simultanément Toulon et Marseille. Face aux Français, le camp retranché de Toulon est défendu par 25 000 hommes aux ordres de l'amiral allemand Rufus. Parmi les 250 pièces d'artillerie figurent les redoutables canons de 340 du Cap Sépet. Sous le commandement du général Schaeffer, 15 000 combattants sont retranchés dans Marseille. Trois
divisions françaises vont s'engager sur Toulon. L'attaque frontale en direction de Hyères est confiée à la 1ère division française libre, qui paie chèrement les prises de Beauvannes et du Golfe Hôtel. Plus au nord, la 9e division d'infanterie coloniale mène 3 jours de combats meurtriers pour prendre les Trois-Solliès et la Valette, tandis que les commandos d'Afrique s'emparent du fort du Coudon. Enfin, les éléments de la 3e division d'infanterie algérienne contournent Toulon par le nord. Pendant que les uns libèrent Bandol et Sanary, d'autres pénètrent au Revest et s'infiltrent dans l'île. La zone du port de Toulon est laminée par les bombardements aériens et les obus de la marine. Au cœur de la ville, les FFI, rejoints par le bataillon de choc, s'attaquent aux Allemands. Les soldats français combattent durant une semaine un ennemi qui ne veut rien lâcher. Assailli de toutes parts, l'amiral Rufus se réfugie dans la presqu'île de Saint-Mandrier avec 1800 de ses hommes. Il se rend finalement le 28 août. Les pertes civiles et militaires sont lourdes. Toulon est libéré, mais son port n'est plus qu'un champ de ruines. Tandis que les combats font rage à Toulon, le général de Montsabert dirige la bataille de Marseille qui s'engage à Aubagne. Dans une atmosphère insurrectionnelle, les FFI de Marseille parviennent à chasser les Allemands du centre-ville. Ils investissent la préfecture et y installent le comité départemental de libération. Selon les ordres, le général Schaeffer détruit les bâtiments du port et coule les navires. Le 22 août, le général de Montsabert lance 6000 combattants. Les goumiers marocains et les tirailleurs algériens encerclent Marseille. Guidé par les FFI à travers la ville, il rencontre l'enthousiasme de la population. Le 25 août, un bataillon de tirailleurs algériens parvient à libérer la colline Notre-Dame-de-la-Garde. Finalement, au soir du 27 août, Schaeffer accepte les conditions de la reddition. Le surlendemain, les libérateurs défilent, acclamés par la foule. Delattre de Tassigny achève son rapport au général de Gaulle par ces mots. Ainsi, à J+13, après 7 jours d'opération, il ne reste plus dans le secteur de l'armée B un Allemand qui ne soit mort ou captif. En 2 semaines, toute la Provence est libérée. Libérée par les forces françaises, aux côtés de l'armée alliée. Seulement 3 jours après la libération de Paris, les ports stratégiques de Méditerranée sont débarrassés de l'occupant nazi pour devenir accessibles aux troupes qui vont poursuivre la libération de l'Europe. Mi-septembre, quand les armées des débarquements de Normandie et de Provence se rejoignent, plus de la moitié de la France a retrouvé sa liberté. Bateau total et juste 36 français. Les gens. 350,000
ียงจากพื้นดิน